Beaucoup. Le chemin était long, pour dire vrai. Pour tout ce que vous connaissez de la situation du mouvement Nawetan de cette année, nous avons osé, nous avons cru en nous-mêmes et nous avons des partenaires qui nous ont soutenus. Aujourd'hui, nous avons la grande satisfaction. Nous sommes satisfaits, d'autant plus que pour certains, c'était impossible d'aller à Sinjan et d'organiser. Si vous voyez au niveau de nos banderoles, l'ODECAV s'engage pour une paix définitive en Casamance. Nous y croyons et nous devrons aller partout. Où se trouve une ASC, même si c'est une seule ASC, nous devrons y aller et jouer pour montrer aux gens que nous croyons et nous demandons à la paix. Nous sommes satisfaits d'avoir mobilisé 29 zones pendant une douzaine de jours. Rester à Sinjan sans aucun incident. Vraiment, nous pensons que le bon Dieu nous a assistés. C'est le moment pour nous de remercier tous les partenaires, toutes les populations qui ont bien voulu accepter les délégations, quel que soit leur comportement. Vous êtes sans savoir qu'on avait une demi-finale qui a été avortée. La population de Sinjan, c'est le moment pour moi de les remercier. La population a été d'une grandeur exceptionnelle. Mais aujourd'hui, la fête, la fin, la finale a prouvé ce que nous pouvons faire dans cette Casamance, que nous cherchons à retrouver une paix définitive. C'est difficile. Je suis satisfait parce que sortant d'une présidence de zone de Souël, où Baila était championne, arrivé à l'ODECAF de Bignona, la première édition, Baila remporte la coupe. Si je ne suis pas satisfait, je suis hors du commun. Puisque je suis une personne, je suis très satisfait. Très satisfait. Satisfait sur tous les plans. On a osé, on a réussi. Et merci aux parrains, aux partenaires. Je crois que le meilleur reste à venir pour l'ODECAF de Bignona.